J'en ai fait beaucoup trop, Sophie Coste confie comme rarement sur ses enfants, ZAPTV. Un restaurant alsacien a été au centre de l'actualité pour les mauvaises raisons. Point. Dans sa vitrine, l'établissement avait installé une affiche interdisant l'accès aux enfants. La propriétaire du restaurant a rapidement réagi aux critiques au sujet de cette règle imposée aux clients, on continuera à refuser les enfants mal élevés. 90% des enfants sont super mal élevés. Ce sont des enfants rois. Ils touchent à tout. Crient, courent, abîment nos décors de Noël, mettent leurs chaussures sales sur les banquettes. A-t-elle confié dès les colonnes de dernières nouvelles d'Alsace. Elle comprend qu'elle n'aurait pas dû mettre ce mot sur la porte. Mais considère qu'elle avait ses raisons. Mais voilà, le code pénal interdit aux commerçants de discriminer ses clients sur leur âge ou leur situation familiale. Sans quoi ils encourent une peine de prison et une amende très élevée. Lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès. Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Prévoit en effet la loi. Un sujet qui a entraîné un débat très vif sur le plateau de Touche pas à mon poste. Alors que Valérie Benaïm débriefait fait, sur le plateau du 6 à 7 lundi 12 décembre 2022. De la semaine passée dans Touche pas à mon poste. L'occasion pour Sophie Coste. Chroniqueuse, d'évoquer sa propre maternité. Si ses enfants sont désormais grands. L'acolyte de géant Michel Maire a compris que certaines personnes apportent leur soutien à la restauratrice. C'est vrai que quand j'arrive au restaurant en général je dis, j'aimerais une table pas trop près des enfants. Je n'ai pas forcément envie quand je vais au restaurant d'avoir des enfants à côté de moi. Virgule, il y a des enfants turbulents. Je peux comprendre. De quoi pousser Valérie Benaïm à lui poser quelques questions de plus sur ses enfants. Il y a vos enfants et les autres, a-t-elle lancé. Moi, j'ai fait plein d'enfants. J'en ai fait beaucoup trop. J'en ai plein, je les adore, maintenant. Ils sont grands. Je n'allais pas trop, au restaurant, note de la rédaction. J'essayais de ne pas trop embêter les gens à côté. A réagi Sophie Coste. Qui a visiblement essayé de limiter la casse avec ses trois garçons. Léon âgé de 17 ans, Jules âgé de 12 ans et Simon qui a 9 ans.